Salut tout le monde, c'est le roi des brebis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur de logging. Quoi que c'est chiant comme ça. Bon, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi qu'on va voir qu'on commence. C'est un peu louche comme. C'est de logging. On incarne un homme solitaire, un dernier serviteur qui régnait autrefois dans un. Royaume souterrain, puis ben c'est ça, le roi, je pense, ouais, ses pouvoirs se sont affaiblis, puis le roi lui se repose pendant 400 jours, puis pour regagner ses forces, puis notre mission à nous autres, ben c'est de veiller jusqu'à son palais, jusqu'à son réveil, ben la grotte, jusqu'à son réveil. C'est 400 frais jours à partir de où si tu commences à jouer. C'est sûr que je vous ferai pas 400 vidéos de. Tu sais, je vais faire une petite vidéo ici de je sais pas combien, peut-être 10-15 minutes. Puis je vais vous en revenir avec une vidéo plus tard d'un autre 10-15 minutes de quelques jours jusqu'à temps qu'on atteigne les 400 jours, voir l'évolution. C'est un petit jeu assez sympathique, des bons commentaires sur Steam. Qui m'a l'air assez intéressant, tranquille, tu sais, faut pas s'attendre à grand chose. Mais tu sais, c'est ça, c'est nous autres qui décident de ce qu'on fait dans tu peux allumer le jeu, le laisser rouler pendant 400 jours. Ben tu sais, t'es pas obligé de le laisser ouvert là. Et une fois que c'est commencé, après 400 jours, ben t'atteins la fin. Puis c'est ça. Toi, tu laisses ton petit tombe, ben t'es encore plus tout seul dans sa grotte tout seul, tu sais. Fait qu'on va commencer ça. Puis je sais pas trop ce que ça a donné, là, mais là je vais juste checker vite fait si je sais pas. Loin, loin sur la terre, c'est dans le royaume de souverain vieillissant. Tac, c'est bien fort. Je pouvais pas régler le son. Je sais pas pourquoi que l'image est comme ça, mais elle va rester de même. Comme mon écran est plein. Tu peux me montrer le générique, tu me le montrer à la fin du jeu. Ils sont sûrs de se dire on va le montrer parce qu'il n'y a personne qui va se rendre jusqu'à la fin. J'ai plus de souris. Ah, ça a l'air qu'il faut le laisser aller ce bout-là. Désolé pour le son. C'est d'attendre et surtout de ne jamais quitter cette caverne. Ces cavernes. Les cavernes. Je vais maintenant dormir durant 400 jours. Tabarnak. Bon. Afin de rassembler ce qui me reste de force. Réveille-toi lorsque le temps sera venu. Réveille-moi lorsque le temps sera venu de mettre un terme à toutes les peurs et aux attentes. Ouh. Ça y est.
Ceci est ma demeure au lieu parfait pour passer les 400 prochains jours à attendre. Utilisez les flèches dans cette colonne pour vous souvenir de certains endroits. Utilisez les flèches de droite pour marcher automatiquement vers l'endroit sélectionné. Se souvenir, aller, rentrer. Aller dans un endroit aléatoire. Ok. Oh, qui t'a dit de marcher, toi? Je vais essayer, ouais, j'ai pas d'option. J'ai pas d'option de son. Bon, allez, vas-y. Clic droit, dessiner. On va le faire dessiner. Attendez-vous pas, genre, à ce que... Ouais, man, ça va être fou, là. Vous voyez, 399... jours. C'est malade! Mais le temps, mais que j'arrête de jouer, là... Le jeu, il continue, tu vois, et... Le but, c'est... Le son, là, il fait chier. Mais bon, on va s'ajuster pour la prochaine fois, là, mais... Ok. En plus, je sais pas trop c'est quoi. Hey, il dessine son œil de faucon. Le but, c'est de... Le temps passe plus vite en compagnie. D'œuvre d'art, celle-ci mérite une place spéciale sur mon mur. Yeah, man! Oups! Ouais, là. Je l'ai calissé, là. En plus, c'était pas de. Là. Ouais, c'était ça. On peut-tu le ramasser? Regardez le sablier. Le temps s'écoule lentement, mais sûrement. Maintenant, lentement, mais sûrement. Ah, il n'y a rien de mieux que de se reposer. Son corps, là, sur un fauteuil confortable. S'asseoir et regarder par soi. Lire un livre. Ben, les pensées. Ah, le roi m'a dit d'attendre pendant 400 jours. Je devrais ensuite le réveiller et mettre fin à toutes ses peurs en attente. Je me demande ce que je voulais, qu'il voulait dire. À moins que mon adversaire se rapproche. Désolé, j'avais pas fini. Il y avait 5 pages. Pourquoi lecture inactive? Le roi m'a averti que je ne devais quitter cette caverne sans aucun prétexte. Je me demande ce qu'il a voulu dire par là. J'aimerais tellement pouvoir rêver d'un autre endroit. On va continuer à explorer la caverne, mais sans la présence d'une immense obscurité rôdant quelque part. Où se trouve cette obscurité? Parviendrai-je jamais à la surmonter? Une carte du royaume me serait vraiment utile. Est-ce qu'il paraît la caverne regorgeait d'endroits cachés? Je me demande combien de temps il faudra pour découvrir toutes les différentes parties de la caverne. Pour l'instant, je n'ai pratiquement rien vu de la caverne. Il y a une bibliothèque secrète quelque part dans le royaume. J'apprécierais grandement la trouver. Quelques nouveaux livres ne me seraient pas trop. Pas de trou. Il faut vraiment que je lise davantage. Je rêve de trouver un livre qui se termine jamais. Attendez 2 secondes, là. Bon. Calice.
d'hostie Dieu de Glenn. Qui est juste calissement trop fort, man. Bon. Merci. Good. Il veut pas le prendre en plein écran. Bon, je l'ai là en plein écran. Attends, Chris. Parce que tantôt je l'avais. Bon, je l'ai. J'aimerais se monter. Il y a une bibliothèque secrète. J'ai lu des cris qui parlaient dans la. Oh, ok, il y a une bibliothèque secrète quelque part dans le royaume. J'apprécierais grandement de trouver quelques nouveaux livres. Pas trop tôt. Il faut vraiment que je lise davantage. Je rêve de trouver un livre qui se terminerait jamais. J'ai lu des écrits qui parlaient du hall de l'éternité au lieu. Un lieu où le temps est figé. Manquer de temps à lire. Ouais, je devais essayer de mettre à profit. Vous êtes quand on a l'esprit occupé. J'ai un besoin de manger, mais il serait plaisant de cultiver de bouche en pied. J'aimerais bien croiser un autre corridor de temps, je vois tellement, parfois j'ai vu de tous les noms, je dois t'aider à vivre des déchets. Sinon, il faut papier, bon, je n'avais pas pensé à d'autres. Pour l'instant, j'imagine que j'ai The Goose Girl. Ah ouais, c'est ça, il avait dit qu'il y en avait qui étaient en anglais. ...154 pages. Chris, c'est un vrai livre, là. Il est juste en anglais. Bon, regarde, tu sais que ça... Je vais juste lui passer les pages. Je sais pas, peut-être ça fait quelque chose de passer. Peut-être que je suis absolument loin. Mais Chris, t'as 150 pages à lire pour ceux qui comprennent l'anglais. Moi, je les lirai pas. Je comprends rien. Bim. Ouais, ça, c'était Moby Dick. On l'a avec. 1282 pages! Ok, man, c'est vraiment le livre de Moby Dick, frère. Ok, c'est des malades. Bon, ok, c'est bon. Ok, arrête de lire. Tout ça, là. Le roi m'a averti que je devrais quitter cette caverne sous aucun prétexte. Je me demande ce qu'il a voulu dire par là. Absolument. Hein? On peut faire du feu là-dedans. Prends quoi? Vas-y, prends. Un morceau de charbon, je t'approcherai, petit frère. Ok. Merci, man. Vous allez par là? Ah, passe pas. Bon, ben on va aller explorer. Je peux pas y faire. Ah, si, faut que je le tire. Je peux pas y faire un clic genre avant jusque là. Si. T'es obligé de le tenir. En tout cas, y'a peut-être moyen. Mais... Jouer de la musique, allons-y. Je vais devoir retrouver les quatre parties de cet instrument avant de pouvoir retrouver. Pour pouvoir éprouver le plaisir de jouer de la musique. Je vais pour l'instant le trouver. Éprouver, éprouver. C'est un peu mal écrit. Allez, vas-y, viens, on traverse. Lex. Oh, frère, c'est le roi. Faut le réveiller, son culé. Ne soyez pas pressés, qu'ils disent. Je pense que le roi m'a exploré son vaste royaume, mais j'ai de tout intérêt à mémoriser le chemin parcouru afin de pouvoir revenir dans mes pas. Excellent.
Hey, c'est pas le vrai temps. Il est inutile de courir, j'ai bien assez de temps pour pouvoir me remettre à marcher. Absolument. Ben, parce que on est rendu à 399-21-05. Ça fait pas 3 heures que je joue au jeu, Chris, ça fait 15 minutes. Oh, c'est con. Je suis déçu. Je suis très déçu. Bon, c'est même pas le vrai temps. J'aime beaucoup les escaliers. Ah ben. Comme je dis, on va faire une petite vidéo de genre 15-20 minutes. Puis on va refaire un. On va faire une petite série, tu sais. Pourquoi je suis venu ici? Je sais pas, man. Tu gagnes quoi? Ouais, Big! La petite tombe pas pressée, man. Pourtant, c'est des vraies secondes. 8, 9, 7, 6. Je crois que on a perdu 4 heures, genre 23 heures. Il y a quelque chose par terre, oui. Voilà. Un morceau de charbon, c'est pas très gras. J'ai maintenant deux charbons. J'ai du bon. Cette porte des boys. Cette porte m'a été ouverte depuis longtemps, il est possible qu'elle mette du temps à s'ouvrir. La mère du terre. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, si quoi que ce soit que vous avez déjà joué, quoi que ce soit, ben. Abonnez-vous, c'est gratuit, man. Laissez un pouce bleu, petit commentaire, n'hésitez pas, la porte à sous. Vous avez le temps en masse. Vraiment, on l'ouvrera pas, mais on la fermera pas pour rien, là. Ah, ça se fait dessus. Ah, c'est la musique, ça. Mais c'est bien parfait, merde. Bon, allez, je peux y aller là. Vas-y. André. Oh! Là, me semble un endroit idéal pour être seul. Je ferais bien de me souvenir du chemin. Ouais, absolument. Et on va se noter cette petite. J'ai l'impression que par ici ça monte pas. On va y aller par là. Entrée. T'as la porte de gauche. Charbon qui tombe du toit. Oh magnifique, il a bien donné une occupation satisfaisante. Ouais, à date on loue du charbon. Là qui est trouvé un cul. Oh merde!
continue? Ouais, on continue. Je devrais en parler à moi-même plus souvent. Oui, plus souvent. Soit en bas, soit en haut, mais... Putain de merde, on a pas fini. Il n'y a jamais faim, il n'y a jamais soif, puis il n'y a pas besoin de se laver. Un morceau de silex. Si j'en trouve un autre, je pourrais réchalifier ma demeure en allumant un bon feu. Ouh! Réchalifier, réchauffer qui veut marquer. Je trouve un autre silex. Oh man, on s'en va dans les profondeurs du Mordor. Ça va être l'entrée d'un lieu sombre et isolé, exactement ce qu'il me faut. C'est des malades. Laquelle porte? Trois portes. Laquelle devrais-je choisir? Je sais pas. Moi, je vais juste faire un test. Mettons, je vais faire aller. Partons. Ok, les fait le chemin tout seul. Ok, cool, cool, cool. Non, c'est bon. Ok. Ok, cool. Bah, tiens, je clique ici, il va s'en retourner à la maison direct. Ah, bah ok. Fait que les gars, bah, là, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit pouce. Puis ouais, un commentaire justement à quelle porte on devrait prendre. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, ben dites-nous, prends-tu du milieu, droite ou gauche. Puis si vous ne dites rien, ben je choisirai par moi-même. Ben merci en même temps à tout le monde d'avoir suivi, c'est très cool. Puis ben c'est ça, n'hésitez pas à vous abonner, je vais faire une vidéo plus tard, dans quelques jours, pour voir où est-ce qu'on peut. Je vais jouer aussi à... ben, en tout cas pas en vidéo, puis je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire, puis après ça je vous ferai des petites vidéos, puis ben n'hésitez pas, c'est ça, un petit commentaire, vous abonner ou quoi que ce soit, ce serait cool, puis si vous aimez le gameplay, puis ces petits trucs là, d'essayer de voir un peu plus loin, si vous êtes pas sûr de savoir qu'est-ce que c'est le jeu, ben c'est ça, vous voyez à quoi ça ressemble un peu. Fait que merci à tout le monde d'être passé, puis on se revoit bientôt. Puis merci à tout le monde de regarder les vidéos, vous êtes cool. Puis n'hésitez pas à vous abonner. Merci. Fait que on se revoit pour une nouvelle vidéo prochainement. Ciao tout le monde. Peace.